Bonjour monsieur. Non mais il est pas pressé Léon. Voilà, il fait une petite balade avec son lance-flamme. Ah. Encore? Mais c'est pas vrai. Je veux dire, achète une mort quoi. Je divorce. Voilà, c'était sa femme. Divorce douloureux. You called this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. 100% il est pas mort, il va les gaffes. Non mais surtout, elle a quand même essayé de tuer Ada plusieurs fois. Donc ça reste quand même une belle raclure de bidet, hein, la net. Bah, au hasard, il s'est fait tirer dessus. So you made this monster. We made the G virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. Calin. Je lui ai dit que c'était un divorce douloureux. C'est pour la garde du chocolat. Plus de bras, plus de chocolat. Donc lui, il en fait pousser plus. C'était clairement voyant que j'allais me la manger. Non, s'il te plaît, oui. Alors là, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit un des boss que je peux arnaquer d'une façon ou d'une autre. What? C'est what in the butt? Ok. Oui, voilà. Fais plaisir à la caméra, dis bonjour. Je sais pas ce que c'est, je prends, c'est des soins. Très bien. Je sais pas ce que c'est, je prends, c'est des munitions. Très bien. Oui, les loot. Ah, les munitions. Merci. Formidable, 50. Pas du tout dans les mesures. Ça, ça veut absolument pas dire, en fait, défonce-le. Sinon, c'est lui qui va te défoncer. Je fais le tour. Oui? D'accord. Petit barbecue. Je suppose que c'est... Au cas où... 3? Ouais, 3. Au cas où les gens venaient ici sans munitions, sans rien. Aïe. Oui, non, est-ce merci? Alors là, je pense que je me la prends. Non? Incroyable. Pas sûr que ce soit le plus efficace. Par contre, c'est le plus douloureux, je pense.
Bon, et si j'arrêtais de jouer au con, et on va repasser... Oh, allez, en vrai. Oui, je suis là. Non, alors non. Non, s'il te plaît, non. Pas ça, non. Oui, beau, beau. J'aime ça. Je suis au magnum là quand même. Je... Disons que j'aurais apprécié un peu de compréhension de sa part. D'ailleurs, je me suis pas foutu de sa gueule. C'est un futur, hein. Un chargeur le magnum dans le cul. Enfin, dans l'œil. Aïe! Mon dernier soin. Coucou, je suis derrière. Je te sabre au couteau, moi. Aïe. Aïe. Ouais, ok. Sans maîtrise, la puissance mérite. Comme dirait Pirelli. Ah, texture. C'est pas grave, je tire dans les textures, ça marche. Ah, cool! Ça veut dire que j'aurais pu looter Peinard. Ah, j'ai plus de munitions de Magnum. Ça, c'est problématique par contre. Il y a le petit ascenseur pour remonter. Bon, on va prendre notre petit temps. On fait nos courses à l'idole là. C'est au niveau des munitions de Magnum que je tire un peu la gueule. Fusil à pompe aussi, remarquez. Hein. Bon, lance-flamme, en vrai, ça passe. Mais ouais, Magnum. Comment il s'appelait? Ah oui, c'est ça. Au niveau Tom Selleck. Tom Selleck, Magnum. Ok, ça c'est une référence qui va te parler que. Bah moi, en vrai c'était pas si mal que ça, hein, Magnum. Au moins c'était un peu décalé. C'était pas très très profond. Hein. Mais c'était pas mal. Et comment ils s'appellent les deux chiens de Higgins? Zeus et Apollon. Bonjour les trucs. Tell me you'll destroy that G-sample. No, it's not. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. Gets into the wrong hands.
Réfléchis. Là, on sentait le Léon, pleine capacité neuronale, à essayer de réfléchir. Bah non, Ada, elle m'a embrassé. Elle est forcément gentille. Mais dites-moi, il n'y aurait pas un tyran qui nous attend? Hein? Parce que c'est le dernier qui n'était pas à la fête, là. Est-ce que je me permets de... Allez. On va déposer quelques... armes ou munitions excédentaires. Je pense que les 400 de lance-flammes seront... Tac. Je pense pas que Claire va récupérer mon coffre. Sérieux, j'avais pas récupéré la grenade. Par contre, il manque l'accès niveau 4. Ah, coucou. Coucou, coquine. Ah bah voilà, j'ai l'accès niveau 4. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. No, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Oui. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Bon. Bah ouais. Sinon il n'y aurait pas de drama. Ah oh, c'est con. Tout ça pour ça. Ultra secret, t'as le droit d'emmener un meurtrier. America! Fuck yeah! Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. Jolie scène. Enfin, le coup où elle tombe et qu'on voit ça en contre-plongée, je trouve ça joli. Mais t'inquiète pas! Tu la reverras. Wow. Ce regard ténébreux en mode « je vais tout déchirer ». Ah! Ah! Alors généralement quand le timer s'enclenche, c'est que c'est le moment de prendre des munitions. Oh, oh la belle bleue. Ça va, ils ont pas été trop agressifs au niveau du on va dire du sound design, parce que logiquement c'est attention please, c'est, vous l'entendez très très fort très longtemps pendant les 10 minutes.
et ça vous rentre tellement dans le crâne. Bon bah je... Mais on n'était pas censé croiser Claire de temps en temps ? 9 minutes until detonation. Ah. Bah ben voilà. Mais trop tard, il me semblait qu'on la recroisait au milieu de jeu. Claire. Leon? You're down here too. Yeah. But the whole place is coming down. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on appelle ça le scénario B. C'est parce qu'en fait, Claire, c'est le plan B de Léon, pour qu'il évite de dormir sur la béquille. Bon, vous inquiétez pas, il va se faire rembarrer par Claire également. Claire, you still there? Leon? Hey Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Madame. Ah mais du coup ça va être qui le méchant de fin, Berking ou le tyran? Ah bah non, ça va être le tyran. Ah alors, ok, vu que je sais ce qui nous attend, on va prendre ça. Qu'est-ce que j'ai au niveau plante? En vrai, on va prendre ça. En gros, je sais pas. Vu que je sais pas si ça va être transféré les. On va faire un petit peu de pompe. Et ne vous inquiétez pas. Oui, je sais. Oh, la pellicule, bordel. Bon, bref. Je sais que théoriquement. Même pas théoriquement, c'est qu'on n'a pas besoin de tuer le boss de fin. Vous inquiétez pas, on se fait livrer généralement à Brutix. C'est pas ce que je voulais faire. Eh bah c'est pas grave, comme ça j'ai les munitions de... Prends. Ce que je voulais c'était ça et ça. Ça par contre c'est terrible qu'on puisse plus combiner les munitions. Donc on va nous livrer un gentil couteau, on va peut-être oublier un peu. Putain, moi j'ai des difficultés d'inventaire. Les soins, alors on va dire ça. Ça j'en ai encore besoin. Ready? Ok. Allez, on va dire qu'on est prêt. On n'a pas eu de Hunter. Les plantes ont changé. Enfin, c'est plus la même gueule. Tiens, bon, bonjour. On parlait de vous, justement. Alors, je passe. Je passe. Là, ça passe pas, donc. Ah. Non, bah, je suis... Ah, ça... Non, grenade. Ok, je... D'accord, grenade. Voilà, faut qu'on arrive à liquider celui-là pour passer. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, on combinera tout ça si nécessaire. C'est quoi? Mais qu'est-ce qui branle? T'as oublié quelqu'un? T'as vu un pote? Tu voulais remonter? Je sais pas. Is this a fucking joke? Coucou? Salut, ça va toi? Non, j'ai pas le temps, non. Et là, il y a une porte fermée. Ça serait con, quoi. What? What? Bah tu vois, Lune Bronzard. Entre toi et moi, je pense que c'est lui le plus beau show.
Gotta keep going. Attention, please. Ah, sérieux? Attendez, parce que... Ok. Until detonation. Seven. On me redonne un... Oh non, c'est quand même là. Oh merde! Ah bah oui, mais... Faut de la place. Non mais sérieusement, le... Ouais, donc du coup, je comprends mieux l'histoire du coffre. On va dire que les grenades, on n'en aura pas besoin. Ça, on va dire qu'on prend. Le couteau, c'est toujours rigolo, hein, mais... Oh, c'est gentil de me l'avoir mis quand même juste à côté. C'est histoire de dire, de toute façon, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir deux slots d'inventaire libres pour que je puisse t'envoyer un lance-missile. Dans la plus courte tradition de Resident Evil. En tout cas, dans les premiers. Dans le 4 aussi. Dans le 3, je pense que c'est. Oh mon dieu. Ah. Oh. Ah, ça commence, d'accord. Bon, après j'étais blessé de base, hein. On va se calmer tout de suite. Comme je dis, hein, logiquement... Aïe, ça ne sert pas à grand chose. Je sais, en fait, j'ai oublié, je sais plus si c'est un timer avant que le truc, ou c'est une certaine quantité de dégâts sur le boss avant qu'on nous envoie le lance-missile. Ok, faut que je réagisse plus vite quand on fait ça. Oh, genre ça touche. Y'a faute, monsieur l'arbitre. J'allais dire, on fait mumus quand même, on essaie de... Voilà. What? Quoi? Il est en train de faire caca? Oula! Je crois que j'ai abîmé sa... Allez! Histoire de réchauffer un peu l'ambiance. Aïe. Ah mon dieu! Léon est bloqué dans un coin. Detonation. Et si je me souviens bien, c'est Ada qui nous envoie le petit. Regardez, il prépare une caméra. Ou poser un colombin dans le sol. Dans le... Pardon, je crois que je l'ai vexé. Oula, Fulindra! Fulindra! Tu crois vraiment que c'est le moment? Putain, il y a... Nickel. Et là, je vais dégoûter si on récupère l'inventaire de... Ah. Et c'est le moment de voir ce lance-missile. Donc, je vous dis, hein, c'est pour ça que, le jeu, finalement, nous oblige à prendre les piles. Pour le truc, c'est pour qu'on ait deux slots obligatoirement de libre pour prendre le lance-missile. Oh, mais de qui vient ce lance-roquette anti-char? Oh, j'adore. Mais là, on n'est même pas obligé de bien viser si je me souviens bien. C'est-à-dire... Ah bah si, quand même. Si, quand même.
J'ai voulu tester, attention, hein, merci, j'avais vu que j'avais visé à côté. Ouais, on sait jamais, il va peut-être se régénérer. Bon, bah, j'ai un peu chié dans la colle. Donc je sais plus si c'est un certain temps de combat contre le boss ou un certain compte de dégâts. En tout cas, merci, mais non merci, Big Abonnois. Hein, ah oui, bonjour. Un gros tas de merde. Et là, Claire arrive, telle une héroïne, avec Sherry, logiquement. Je rappelle que c'était le premier jour de Léon à Raccoon City. C'était le rookie qui devenait policier. Il était tout content. J'arrive quand je fais très bien un an. T'en es à combien? 10. Oh là, encore 2 mois d'emmerdement. Et si je l'avais mis dans le coffre, comment il aurait fait? Et qui pilote le train? Et bien sûr, tout le monde se pose la question. Non mais bordel de Dieu, comment est-ce que Ada a survécu? Parce que je vous rappelle qu'elle avait quand même une chute. Elle est remontée, elle a trouvé un lance-roquette et elle nous l'a envoyé. C'est quand même assez sympathique. Leon ? We made it. Just like I said we would. D'accord, même pas d'explication. Alors, on aura bien sûr l'explication de qui est cette jeune fille dans le scénario de Claire B. Hein, pour expliquer, hein, Léon A, enfin Léon scénario A, Claire scénario B. Et après, on peut incarner Léon dans le scénario B et Claire dans le scénario A, donc on peut jouer 4 fois au jeu. Pour ma part, je ne streamerai que Léon A et Claire B. Voilà, donc on va enchaîner sur Claire B la semaine prochaine. Claire B, c'est pas son nom, hein, c'est Claire Redfield, la sœur de Chris. Oui, bah merci Capcom, on reverra les... Code Véronica ? Non, pas du tout. Le code Véronica, il paraît qu'il est très très bien. Résultat. Ah. Oh putain, le jeu est tellement généreux. Non mais ça mérite... Je crois que je me serais trop attribué un D ou un E. Parce que le jeu m'a quand même humilié plusieurs fois en me proposant « Au fait, est-ce que tu voudrais pas passer en facile ?» En 7 heures et 3 minutes, c'est dégueulasse. En speedrun, ils le font en 1 heure. Voilà. On va pouvoir passer du coup. Il va nous demander, si je me souviens bien, de sauvegarder. Pas du tout. Voilà. Oh, pire. Pirate. En impair. Mais non, mais on la veut toute nue. En... Voilà. Voilà. Claire B, Claire Bis. Tenue de 1, choix normal. Ok, donc ça c'est génial. C'est tout ce qu'on a débloqué. On est très très content. Nouvelle partie. Bis est maintenant disponible dans la session campagne. Bien sûr, on fera une nouvelle partie du coup avec notre ami Claire. Des bisous YouTube, bah, à bientôt pour Claire B.